Bonjour fidèles téléspectateurs, c'est une joie immense qui nous anime en tout cas pour, n'est-ce pas, vous présenter cette émission Trajectoire qui vous inspire. Parce que la trajectoire inspirante, c'est en fait les personnes qui travaillent pour l'épanouissement des nations et ici nous parlons des citoyens de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui on va, n'est-ce pas, parler de maître Cédric François Lilongo. Baende, mais il n'aime pas la télé, sinon il a des activités qui, n'est-ce pas, rangent à l'intérieur les jeunes congolais. Donc les jeunes s'inspirent au travers d'une initiative qu'il a créée pour essayer un peu d'abolir la situation des CV dans mon pays, la République démocratique du Congo. Alors, aujourd'hui, on va parler de lui. J'aimerais, avant de vous présenter, n'est-ce pas, le jeune de sa structure, j'aimerais qu'ensemble nous puissions suivre son portrait et on va se retrouver juste après. Maître Cédric François Lilongo Baende est un avocat au barreau de Kinshasa depuis 2008, avec une expérience de 15 ans dans la profession. Diplômé de l'Université de Kinshasa, il est reconnu pour son expertise juridique et sa dévotion envers la justice. En plus de sa carrière d'avocat, Maître Lilongo Baende occupe le poste du conseiller juridique et administratif du ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Son rôle témoigne de sa volonté d'apporter son savoir-faire au développement économique de son pays, une reconnaissance notable et sa nomination en tant que juge de la zone de libre-échange continentale africaine lors de la 30e session ordinaire de l'Union africaine. Cette distinction souligne son engagement en faveur du commerce et de l'intégration économique en Afrique. En tant que membre fondateur du parti politique Courant des démocrates rénovateurs, Maître Ilongo Baende joue un rôle actif en tant que secrétaire national en charge des questions juridiques et administratives. Son implication politique témoigne de son désir de contribuer à la vie publique et de trouver des solutions aux défis de son pays. En résumé, Maître Cédric François Lilongo Baende est un avocat chevronné, un conseiller juridique de renom et un acteur politique engagé. Sa nomination en tant que juge de la GESELCAF et son rôle dans le développement économique de la République démocratique du Congo témoigne de son dévouement à la justice et à l'intégration africaine. Signalons par ailleurs que Maître François Lilongo Baende est marié à Madame Amal Lilongo et père de 2 enfants. Initiateur de la structure Lilof qui encourage le jeune à l'entrepreneuriat. Eh oui, c'est en fait votre inspirateur, Maître Lilongo Cédric. Je dis bonjour à celui qu'on appelle Joël Mokawa. Bonjour, vous êtes superviseur au secteur de l'UPN. Oui, madame. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, très bien, merci, vous-même. De l'autre côté, je vois madame Divine Oumba, elle est également secrétaire du secteur Breaking. Bonjour. Bonjour, madame Fanny. Alors, monsieur Joël Mokawa, on va parler un tout petit peu du profil de maître Cédric Lilongo, qui est votre inspirateur. Parlez-nous un peu de l'initiative qu'il a mise en place pour les citoyens congolais, les jeunes que vous êtes. Bonjour. L'initiative que maître Lilongo Cédric Baende a mise en place pour nous. Déjà, j'aimerais bien parler de notre structure qui est Lilof Asbel. Pourquoi Lilof? Lilof veut dire Lilongo. Okay. France, le F à la fin c'est France. Donc Lilongo tire son origine par une langue, une dialecte de notre pays qui veut dire clairière. Okay. Clairière, c'est la lumière qui pénètre jusqu'au sol, vous voyez, dans une forêt ou dans une partie boisée et tout ça, la lumière qui pénètre jusqu'au sol, sa clairière. Alors, Lilongo France, pourquoi France? Parce que tous, on est frères. Alors, donc, dans une définition ou traduction littérale, on dira les amis dans le monde. Les amis dans le monde. Le frère dans le monde. Ouais.
Donc voilà pourquoi nous avons notre slogan où on dit « À l'unisson, bâtissons un monde meilleur ». Donc tous en commun accord, en tant que frères, en tant que sœurs, d'une même famille, bâtissons un monde meilleur. Ah d'accord. Nous avons en fait jeté notre regard sur son profil Vicu. Il est en train en fait d'aider des jeunes à quitter le chômage, à entreprendre quelque chose. Alors Madame Divine, en quoi est-ce qu'il vous inspire? Parce que nous sommes dans la trajectoire et les gens veulent comprendre au moins la quintessence de la chose. Ce qui nous inspire, ce sont les initiatives qu'il a. Déjà c'est lui l'initiateur. Il met en œuvre le projet qui font promouvoir l'entrepreneuriat. Et vu que nous, les jeunes, nous en avons besoin, et ce sont ces initiatives dans lesquelles nous nous sentons dedans. Cela implique même notre contribution, notre participation, parce que notre avenir même en dépend. Et surtout dans notre présent, le moyen que nous avons, c'est pour dire que nous avons l'accès de vrai au sein de l'ILOF, nous avons l'accès de mettre en valeur ce que nous avons l'accès de nous sentir dans un monde où on a confiance en nous, voilà. Okay. Et c'est ce qui nous inspire dans sa façon de faire les choses. Voilà. Très intéressant. Alors, on doit comprendre au moins l'initiative en question. Ça date de combien d'années en RDC, parce que vous occupez Kinshasa d'abord. C'est ça? Oui, on est d'abord à Kinshasa. Alors, concernant la mise en place de notre vision, je dirais ça date de 2018. Okay. Ça date de 2018, on avait mis quand même une pause parce que c'était... Bon, on ne s'était pas encore lancé directement parce que c'était quand même une période électorale. Alors, voilà. C'était encore en gestation et juste après, ça a pris l'élan. Effectivement. Tout ça, mais c'était sur base de quelle observation, en fait? Cela découle de... certaines observations faites par l'initiateur, le maître Cédric Baïndé Lilongo François. Entre autres, il y a eu le taux élevé de l'analphabétisation au sein de notre société congolaise. Hormis ça, il y a eu aussi de veuves qui vivent avec des orphelins qui ont perdu leur mari. Voilà, en charge du déçu de la pauvreté. Donc, hormis ça, il y a aussi cette réalité au sein de notre pays, entre autres, de gens qui sont mariés de force avec le frère ou un membre de la famille du défunt. Et sur base de toutes ces observations est venue cette initiative de l'ILOF. Ah d'accord. Et c'est répandu, vous appelez ça des secteurs en fait? Effectivement. On peut dire que Bandal, c'est un secteur ou alors des districts de notre province. On travaille en termes de secteur. Si je dois parler par rapport à la commune de Bandalungwa, à la commune de Bandalungwa. La Tchango aussi, allais-je dire. Oui, à la commune de Bandalungwa, alors c'est scindé en deux. Il y a ceux qui sont du côté Moulard et il y a ceux qui sont côté Tchibango. Ah, mais il y a aussi d'autres secteurs entre autres. Il y a Bandalsinkin aussi. Adoula et voilà. Et bien sûr. Inga aussi. Bien sûr. Ceux qui sont par exemple à Inga viennent se joindre à ceux qui sont à Tchibangu. Ça dépend de la personne. Mais parlez-nous un peu de la genèse de cette histoire parce que c'est intéressant. Ça nous a vraiment captivés. Voilà pourquoi nous voulons parler dans la trajectoire, le résultat qui guette au fait ces domaines. Voilà. Comme l'a dit le superviseur. C'est là année du regard de défavoriser des orphelins, des veuves, de la situation déplorable qu'ils étaient en train de mener et des inégalités qui étaient en train de créer au sein de notre société congolaise. Mm-hmm. Et des violences également faites aux femmes, à la jeune fille, aux enfants. Ouais. Voilà. Et c'est dans ce cadre que l'ILOF existe. C'est pour donner la chance à ces personnes de vivre à nouveau, de se sentir épanouis dans un monde où ils sont en sécurité, où ils sont équilibrés. Non seulement nous leur portons un appui, mais nous mettons dans leur esprit, nous réveillons cet esprit d'entreprendre, donc okay, de vouloir vivre non pour soi, mais pour les autres. Ah, et dans la juste égalité. Bref, c'est ressortir les talents,
en fait, mettre en exergue ce que vous avez comme compétence. Mais est-ce que c'est, en fait, genre apolitique ou s'il y a la politique là-dessus? Parce que, bon, les téléspectateurs nous regardent. C'est une initiative d'un Congolais, bien sûr, de mon pays. Mais finalement, est-ce que ça aura des connotations politiques avec le temps où c'est justement pour montrer aux Congolais qu'il faudra entreprendre pour avoir une certaine valeur, en fait? Bon, heureusement pour nous, nous avons la chance d'appartenir dans une ASBL qui est apolitique. Donc, nous ne sommes pas dans la politique, en tout cas. Ah, d'accord. Alors aujourd'hui, dans la trajectoire, nous avons le cible. Notre cible, c'est en fait le jeune Congolais, parce que bon, rester à la maison, ce n'est pas du tout bon. Et finalement, la trajectoire a besoin de l'intégration, de l'implication des jeunes, parce que notre pays, comme l'a si bien dit le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est que il veut faire de jeunes des millionnaires, des milliardaires, pourquoi pas aller plus que ça. Alors, des millionnaires, des milliardaires commencent petits. C'est comme dans la trajectoire que nous sommes. Aujourd'hui, il y a la naissance du trophée Molongi qui, en fait, c'est quoi en fait l'idéal? C'est quoi la motivation avec cette histoire? Et ça a commencé quand déjà? Bon, je pense que si j'ai une bonne mémoire, c'est depuis 2021 qu'on a commencé avec la remise de trophée Molongi. Pourquoi est-ce qu'on remet le trophée Molongi? Vous savez, bien sûr. C'est pour encourager. Vous savez, voir quelqu'un qui a commencé avec ses fonds de 10 000 francs et voilà, émerger dans son domaine. Un 10 000 qu'on peut acheter, je ne sais pas moi, le charouamant, un bonbon, voilà, ça dépend de chacune. Ça peut être justement l'argent pour les unités. Okay. Mais pour quelqu'un d'autre, il prend ses 10 000 francs et il en fait un fonds de commerce. Et cette personne-là, voir cette personne-là émerger dans son domaine-là, et je pense que c'est encourageant. Est-ce que les Congolais, par exemple, les Quinois, aiment faire avec un business, on peut commencer avec 10 000 francs? Ça, c'est un exemple, hein, parce qu'il faudra encourager d'autres personnes qui nous suivent, en fait. Le problème qui est là, moi, j'aimerais dire que l'exception fait toujours la règle. C'est pas parce qu'on constate que la majorité de Congolais n'aiment pas commencer avec un 10 000 francs que tous les Congolais sont comme ça. Ça dépend d'une personne à une autre. Il y a de ceux qui ont accepté, parce qu'on en a vu avec l'ILOF, ceux qui ont accepté de commencer avec un 15 000 francs, avec un 20 000 francs. Mais aujourd'hui, il a un capital de plus que ça. Alors, une telle personne, nous ne pouvons que l'encourager. C'est alors que dans nos activités, ces genres de personnes ont l'air remis ces trophées de Molongi. Ah d'accord. Molongi en question, mais j'ai fait des investigations. On a remarqué qu'il y a aussi de vieilles mamans, de vieux papas. Ça touche toutes... On ne comprend pas. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils ont quel genre de métier qu'ils font? Expliquez-nous un peu. Non, bon... Ça dépend. Elle exerce quel genre de métier? C'est vieux ou c'est jeune? Ça dépend. C'est réparti en catégories, déjà, ce que nous devons savoir. Il y a par exemple d'autres personnes dans d'autres secteurs qui ont reçu ces trophées par rapport à leur participation dans des réunions. Okay. Ouais. La personne est tellement active et en termes d'encouragement, nous leur remettons quand même ces trophées. Alors, il y a aussi d'autres mamans qui sont tellement sociales. Elles sont là, disponibles pour les autres, pour aider les autres. Et voilà. Et ces genres de mamans sont aussi à encourager. Et voilà. Les secteurs aussi qui fait beaucoup plus de réunions. Ces réunions, voilà. Alors, ces genres de secteurs aussi doivent quand même. Alors, je pense que dans l'activité précédente qui a eu lieu le 17 mai. Ah, d'accord. Alors, là, on a eu à remettre... l'activité avait une branche où il y avait des panels. Mm-hmm. Il y avait des secteurs qui devraient se représenter en panel. Alors, il y a eu aussi le meilleur panel qui a reçu ces trophées de Molongi. Ah, d'accord. En termes de présentation, en termes, voilà, manière. Et est-ce que vous pouvez nous parler de la première personne ou la personne qui a accueilli ces nouvelles avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volonté? Aujourd'hui, il émerge, il s'appelle comment? Bon, je prendrai l'exemple de c'est lui qui est aujourd'hui notre CM, les messieurs Harold Ndongala, dont je salue en passant. Il a accepté, il a cru à cette vision, et voilà, aujourd'hui il émerge, il est aussi compté parmi les jeunes entrepreneurs dans notre société.
Ah, d'accord. Mais est-ce qu'il faut être frère d'eux pour, n'est-ce pas, adhérer Ben oui, hein, c'est la trajectoire. Les gens se posent, mais attends, est-ce qu'il faut être le frère d'eux pour intégrer? Est-ce qu'il faut être intelligent ou alors beaucoup étudier? Je ne sais pas moi. Est-ce que les illettrés, les personnes qui n'ont pas eu la chance d'être à l'école, est-ce qu'ils ont la possibilité, n'est-ce pas, d'intégrer cette structure pour émerger, parce que le Congo a besoin, n'est-ce pas, du développement de chacune pour éviter un peu, en fait, les quémandés et tout ça, les gens quémandent beaucoup, hein. Vous pouvez répondre à cette question, Madame Divine. Bien sûr que oui. Il n'y a pas, chez nous, il n'y a pas d'exception de personne. Il n'y a pas une catégorie que nous visons et une autre que nous ne visons pas. L'ILOF est là pour tout le monde, l'ILOF est là pour tous. Seulement, l'appel que nous faisons, c'est aux personnes qui reconnaissent avoir quelque chose à apporter, avoir un talent, avoir un atout. Si la personne ne sait pas, vous avez cette possibilité de l'orienter. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Nous avons cette possibilité par nos activités, par nos cadres d'échange. Les personnes participantes ont la possibilité de se découvrir. Ah d'accord. Voilà. Mais qu'est-ce qui est exactement fait là-bas? C'est la coupe et couture? C'est la mécanique? Je ne sais pas moi. Bon, en gros, en tout cas, si on dit qu'on fait simplement la coupe et couture, soit la mécanique, on se limite. Il n'y a pas que ça. Élargir un peu le champ parce qu'on comprend. Voilà, c'est ce que je veux faire tout à l'heure. Alors, l'ILOF donne la possibilité à tout le monde. Déjà, je dirais qu'il n'y a aucune personne qui a été née vide, qui est né vide. Donc à tout un chacun de nous, il y a quelque chose, il y a une potentiel que Dieu a mis en nous, qu'on doit faire valoir au fait. Mm-hmm. Et l'ILOF nous donne cette possibilité à tout un chacun de nous de pouvoir poursuivre sa vie avec dynamisme. Donc on va, par exemple, il y a eu la formation qui s'est faite, je crois, à Brikin, oui. Avec les membres de Brikin, où il y a eu ceux qui ont eu la formation de comment faire le mandazi, les détergents pour la maison et tout ça, et les yaourts. Et donc nous sommes là en train de soutenir les gens pour leur donner seulement une place dans la société. Vous leur posez la question, qu'est-ce que tu peux faire ou alors on peut t'imposer une attribution? On ne sait pas vous imposer. On peut proposer à certaines personnes. Okay. Entre autres, il y a un projet qui s'est fait, qui est aussi en cours dans certains secteurs, mais ça s'est déjà effectué au niveau de Delvaux. C'est le projet Elinga Mwasi Ekola Kotonga. Okay. Vous savez, au sein de notre société, il y a de ces jeunes filles mères qui sont là. Et elle s'est retrouvée là avec un enfant. Ah d'accord. Alors, elle ne sait pas. Elle a perdu l'estime de soi et elle la volonté pas maintenant, de percer. Elle ne sait pas maintenant prendre soin, non pas seulement de lui-même et de cet enfant qu'elle a. Lorsqu'elle part voir le papa de l'enfant, voilà, le papa lui traite un peu de tout. Mm-hmm. Alors, ces genres de jeunes femmes, vous récupérez ces genres de femmes. Ces genres de femmes. Okay. Alors, chacune d'entre elles choisit ce qu'elle veut faire. Mais on a eu la chance quand même de retenir un bon nombre de jeunes filles qui ont appris comment coudre et elles sont là en train de continuer leur vie avec dynamisme. Mais la coupe et couture, il n'y a pas que de femmes, hein, il y a aussi des hommes. Madame, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des hommes de femmes qui se sont, n'est-ce pas, présentés? Ben, ils ont du souci pour, n'est-ce pas, percer dans ces sens. Aujourd'hui, on a des grands stylistes. Dans notre pays, il sort de là. En cas de besoin, nous, on est là. En cas de besoin. En fait, ouais, pouvez-vous me répondre à cette question? Pourquoi pas intégrer Elinga Mobali Ekola Kotonga, par exemple? Voilà. Ok. Elinga Mobali Ekola Kotonga, oui, nous pouvons le lancer. Et il y a aussi quelque chose à souligner, c'est que dans les activités que nous lançons, ou les projets que nous voulons réaliser, dépendent aussi des besoins qu'il y a dans nos différents secteurs. Ah, puisque c'est sur base de donc ça vous que faites des investigations au préalable pour au moins jauger. Effectivement. Qu'est-ce qui se passe dans ces secteurs? Qu'est-ce qui ne va pas? Comment on peut faire pour récupérer? Comment on peut remédier? Okay. Voilà.
Ah d'accord, c'est intéressant. Alors parlons-nous des difficultés, parce que dans la trajectoire, il n'y a pas que la rose, hein. Il n'y a pas de rose sans épines. Parlez-nous un peu des difficultés que guette la jeunesse congolaise dans ces secteurs, et aussi même des jeunes que j'appelle des vieux, en fait, qui ont l'esprit jeune, qui, n'est-ce pas, sont intégrés également dans cette plateforme. Déjà à l'entrée du jeu, pour répondre à cette question, je dirais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, jeune, c'est d'abord un état d'esprit. Ok. C'est d'abord un état d'esprit. Alors, il y a des réalités que nous rencontrons dans nos secteurs, entre autres, voilà. Des jeunes qui sont là, qui se lancent dans les koulounas, nous voyons ça toujours. Alors, ce sont des situations aussi déplorables. Mm-hmm. Parce qu'un jeune comme moi, ça me fait tellement mal de voir un jeune comme moi à la place de chercher quoi faire, un métier où il peut se procurer des billets de banque. Il préfère avoir une machette pour cambrioler, avoir une arme blanche, je sais pas quoi. Et ça, c'est déplorable. Entre autres, c'est comme je venais de vous dire tout à l'heure, une jeune fille qui se retrouvait avec un enfant, vous voyez, et elle ne sait pas quoi faire. Mm-hmm. Elle ne sait pas comment. Elle n'a même pas pensé sur sa vie, ou du coup, elle a une responsabilité. Effectivement, voilà. Comme on dit dans notre dans nos sociétés, un accident est venu, et voilà. Il n'y a pas d'accident, ça fait partie de la vie. Et c'est ce que je dis, on appelle ça couramment accident. Ouais. Alors, ce n'était pas prévu. Voilà. Alors, pour remédier à ce genre de choses, voilà pourquoi nous concourons à ce genre d'idées. Nous mettons en place pour récupérer au moins cette jeunesse et leur faire voir que vous avez une place dans notre société. Moi, je pense que c'est idéal, hein, parce que la trajectoire, c'est la pratique. Parce que les personnes que nous recevons dans la trajectoire, ils inspirent la jeunesse. Alors ici, la jeunesse est dans la pratique. Donc, avec ce que vous pouvez faire, ce que vous savez faire, on peut vous aider à le faire. Alors, coup de chapeau, Maître Cédric Lilongo. Et merci beaucoup à ces genres de personnes qui font la trajectoire du genre. Parce que notre pays a besoin de la relève aussi, des leaders d'opinion qui pensent à la suite. Alors, parlez-nous un peu de votre intégration. Comment cela a été fait? C'était sur base de quel, goût, soit encouragement que vous avez eu à intégrer? Est-ce que vous n'étiez pas en train de travailler quelque part et par après vous vous êtes dit que vous devez entreprendre comme actuellement on parle plus d'entrepreneuriat? Pour mon intégration, j'étais intéressée. Je pensais que c'était une aventure. Et déjà la connotation Asbel, je pensais que c'était une aventure. Mais quand je me suis avancée de près, comme on le dit souvent, il ne faut pas faire de jugement au loin, mais il faut s'approcher. Ok. Et j'ai compris que Lilof s'est démarqué. Et surtout, ce qui m'a intéressée, c'était l'entrepreneuriat, notamment. Et ça, comme j'ai montré libre. Voilà. Et vous êtes dans la trajectoire en train d'évoluer. Oui. Okay. Comme j'aime le faire, je me suis rapidement intégrée. Et j'ai compris où était ma place dans l'espace Lilof. Et c'est dans ces cadres-là que je me suis joint à cette vision et nous sommes en train de poursuivre le développement. Vous aviez appris quel genre de métier et que vous exercez jusqu'à nos jours? C'était la formation de produits, comment fabriquer le produit de nettoyage, comment faire le yaourt, comment faire le... Mais c'est déjà ça. Voilà. Ah d'accord. C'est ça. Oui. À petit feu, vous êtes en train d'avancer. Très bien. Et à vous, parlez-nous également de votre intégration. Ça va inspirer un jeune comme vous, en fait, qui s'est dit, mais attends, je ne sais pas où aller. Est-ce que je dois faire encore un CV? Est-ce que je dois suivre ces vieux, faire le djalélo derrière lui pour manger, boire et tout ça? Bon, déjà à la base, j'ai été aussi intéressé, comme l'a dit Madame Divine tout à l'heure, j'ai été intéressé par quelques membres de la structure. Alors, voilà, j'ai été tenté par ça. Okay. Je me suis dit d'aller voir ce qu'ils font réellement. J'y suis allé, j'ai essayé d'échanger avec lui-même, le maître Lilongo Bahinde, Cédric François. Ah, d'accord. Alors, j'ai vu l'initiative qu'il avait et je me suis intéressé. J'ai dit, voilà, je prends les risques. Et j'ai vu que ce n'est pas de l'aventure et que nous sommes différents des autres. Ah d'accord. Voilà. Vous avez appris quoi déjà? Bon, j'ai appris quel aussi à faire les mandazis et tout ça. Ah d'accord. La formation qui s'est passée à Brikin, j'ai eu à participer.
Ah, très intéressant. Alors, nous allons suivre quelques témoignages de personnes qui ont été, n'est-ce pas, encouragées par le trophée Lilof. Nous sommes dans la trajectoire. Nous n'avons qu'à visibiliser les personnes qui veulent aller seules, hein, n'est-ce pas, dans le travail pour éviter de quémander tout ça. L'indépendance financière, c'est très intéressant pour le développement d'un pays. Suivez. Je suis très heureuse et au nom de tous les Lilofois, je tiens à remercier notre initiateur ainsi que mon secteur, le secteur de la commune de Bandalung en général. Et ainsi, je tiens également à sensibiliser toutes les jeunes femmes qui veulent entreprendre, de venir intégrer notre ASBEL, parce que notre ASBEL encourage également l'entrepreneuriat pour tous jeunes, qu'importe votre talent, qu'importe votre don. Vous avez suivi avec nous les témoignages de certaines personnes qui ont été francs. Ils ont parlé de leur enthousiasme, de leur volonté, tout ça. Apparemment, c'est comme si vous travaillez genre comme des Américains, une personne qui ne connaît pas parler français, il est dedans, une personne qui peut-être ne sait pas faire ça, mais il sait mieux faire ça, vous lui mettez à l'aise. Qu'est-ce qui se passe? Ou alors, quel est le secret, au fait? Il n'y a pas de secret. Seulement, dans notre ASBEL, nous ne regardons pas la couleur de la peau. On regarde pas français ou pas, ça s'apprend le français. Déjà, en passant, j'aimerais dire que nous travaillons avec certains centres de formation. Ah, d'accord. Où nous prenons des gens qui veulent apprendre une langue ou un métier. Mm-hmm. On le met là et puis une fois fini, ça sera scellé avec un brevet. Mais c'est pas très connu, hein, nous avons justement ciblé ça. C'est pas très connu qu'il y a une structure qui, n'est-ce pas, encadre les gens dans ce sens. Oui, vous pouvez parler. Bon, effectivement, comme vous pouvez le constater avec moi, l'ASBEL Lilof, c'est encore une structure très jeune. Donc, mm-hmm. Nous venons à petits pas. À petits pas et vous forcez avec, n'est-ce pas, l'esprit d'union. Hein? Il y a déjà, notre slogan dans notre ASBEL où on dit à l'unisson, bâtissons un monde meilleur. Donc nous sommes toujours unis afin de bâtir un monde meilleur. Parlez-nous un peu de jeunes filles qui, n'est-ce pas, sont dans la structure. Est-ce qu'elles apprennent vraiment avec sérieux? Est-ce qu'elles comprennent qu'elles sont déjà dans la conquête, dans la course de la vie? Évidemment, oui. Parce que les jeunes filles, je ne sais pas pourquoi vous parlez des jeunes filles. Mais non, mais c'est elle qui est en gestation, en train de continuer à prendre. Bien sûr que oui. Les jeunes filles s'engagent pas mal à Lilof. Et déjà, c'est à cause d'elles, c'est à cause de nous qu'il y a de projets, qu'on organise des projets phares, tels que l'Ignomosi Ekola Kotonga. C'est ce qui a même attiré beaucoup plus de jeunes filles. Et déjà équipées, et elles œuvrent dans la vision Lilof. Et en général, elles se débrouillent pour ressortir le meilleur d'elles. Et elles s'impliquent dans la vision Lilof. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, on parle de la trajectoire. Si vous savez de dire qui est votre idole, ou quelle est la personne qui vous inspire, vous direz quoi par exemple? Dans l'ASBEL? Non, je parle en termes de la vie. En termes de la vie? Ouais. Je dirais que c'est le maître Cédric Lilongo Balinde. Pourquoi? Parce que il a toujours été là et il est tellement franc, il est tellement... J'aime son abnégation et j'aime son bravoure. Ah, d'accord. J'aime bien ça, il m'inspire beaucoup. Voir sa manière de travailler, il aime bien travailler dans l'excellence. Vous aurez peut-être le temps de travailler avec lui, je ne sais pas. Ah, d'accord. Et vous verrez que c'est un homme qui aime bien l'excellence. Il aime que les choses se passent bien. Alors, il m'inspire beaucoup. À chaque fois que je travaille avec lui sur un projet, les remarques qu'il me fait, en tout cas, je prends ça beaucoup en considération. Alors, il reste pour moi un modèle. Vous avez l'art en vous. Je vais dénicher cela. Vous êtes un artiste? Effectivement, oui. Ah, d'accord. Et aujourd'hui, il vous a pris, il vous a amené dans l'aspect projet. C'est un bénéfice, en fait. C'est un progrès, on peut dire ainsi. Effectivement. Vous avez abandonné la musique.
comme talent? Pas du tout. Ah d'accord. Qu'est-ce pas que vous tout. En faites avec? Je continue toujours dans la musique. Et il est toujours là derrière moi pour me dire, voilà, tu dois faire ça pour ça. Et il est toujours là derrière moi. Il m'encourage dans ça. Ah d'accord. Vous êtes dans quel genre de musique? Je suis dans la musique gospel, chrétien. Ah d'accord, très bien. On peut vous écouter un peu là? Bon, ça ne dérange pas. C'est votre don, hein? Effectivement, okay. Je vais faire un petit morceau. Je préfère faire avec notre hymne. Non, 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 fais ce que tu peux, mais juste un peu là. Pas avec l'hymne? Non, fais ce que tu peux. Parce que je peux? Ouais. Ok. À l'unisson, bâtissons un monde meilleur. Il est temps de ne plus avoir la tête ailleurs. Militant pour une juste égalité de chance, notre concours pourra équilibrer la balance. Très bien. Et voilà. Bravo pour lui. Merci. Bravo. Il ne faut pas cacher ses talents. Alors, vous avez un autre talent que vous avez caché en dehors de ce projet, parce que chacun de nous a son canevas. Effectivement. Ah ben oui. Vous avez un autre talent, c'est quoi? Vous êtes Miss? Absolument pas. Oui. J'aime beaucoup écrire. Ah, et vous êtes écrivaine. Vous avez combien de... D'ouvrages? Non, pas d'ouvrages, ce sont des réserves, en fait. Voilà. Des thèmes, je ne sais pas moi, des sujets que vous gardez. J'en ai plusieurs. Dans votre stock? Oui. Parlez-nous-en. C'est la trajectoire. C'est beaucoup plus dans le domaine, je ne sais pas dire, religieux. Ok. Où je parle beaucoup plus de comment est-ce qu'une personne, qui que soit-il, doit reconnaître sa valeur sur Terre, pourquoi la personne existe et quel est le but de sa vie afin de s'y mettre. Ah d'accord. Là, il faut laisser des empreintes indélébiles dans la vie. Il ne faut pas passer comme des passagers sans raison, sans trace. Ok, très intéressant. On donne ça, c'est l'exemple en fait de Maître Lilongo qui ne passera pas sans trace. Alors nous sommes à la fin de notre émission Trajectoire. Un conseil à un jeune, à une jeune fille qui ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire après ses études. Elle a ses compétences, elle a une taille, elle a, je ne sais pas moi, l'éloquence ou alors la présentation. Mais bon, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle doit faire avec. Ce que je peux conseiller aux jeunes Congolais, aux jeunes comme moi, c'est que les jeunes ont tendance à dépendre des autres. Les jeunes ont tendance à penser à sa vie ou à son avenir au moment où il se sentira coincé. Par exemple, les jeunes orphelins, c'est en ce moment-là qu'ils prennent conscience que je n'ai pas de père, soit je n'ai pas de mère et que je dois m'impliquer dans la vie. Alors que ce n'est pas vraiment ça. On construit ou on bâtit sa vie tout en étant jeune. Raison pour laquelle même l'ILOF existe, nous portons notre regard aux personnes qui n'ont pas d'appui physiquement ou qui n'ont pas d'appui dans la société, de s'y mettre. Je vais fermement conseiller à un jeune comme moi de s'y mettre, de mettre en valeur ses atouts, de mettre en valeur ses propres valeurs pour non seulement pour s'y retrouver aussi, mais pour que les autres bénéficient. De ce que nous avons, car chaque personne a un talent, chaque personne a une marque qui, peut-être en regardant comme ça, on ne peut pas remarquer, mais s'il faut rentrer au-dedans de soi-même ou s'il faut pratiquer ou faire quelques exercices, on saura que c'est là qu'on doit rester et le domaine dans lequel nous devons nous épanouir. Voilà. Moi, j'aimerais bien lancer seulement un appel à ces jeunes-là qui ne savent pas encore ce qu'il est réellement. Alors, l'ILOF est là, pour nous tous Congolais. Viens avec ce que tu as et nous allons te trouver une place. Nous allons te faire comprendre qui tu es et tu vas retrouver ta place dans la société congolaise et tu seras utile. Ah d'accord. Et même des gens qui fabriquent des choses, des personnes qui... C'est sans exception, en tout cas. Déjà, dans l'ILOF, on a des gens qui fabriquent de sacs. Vous avez des artistes aussi. On a des artistes. Comme... Oui. Voilà comment. Voilà, c'était un plaisir de partager ces plateaux avec des jeunes dans cette émission Trajectoire qui, en fait, sont sous la responsabilité de Maître Cédric Lilongo en train d'apprendre surtout l'entrepreneuriat. Là, c'est vraiment un acquis parce qu'on s'est 21e
siècles, les gens doivent se faire indépendants, surtout pour, n'est-ce pas, participer à l'épanouissement de nos familles, de la société, de la nation, si vous voulez, ou des nations, si vous voulez. C'est par ici que nous mettons, n'est-ce pas, un terme à notre entretien d'aujourd'hui. Ça vous a plu, écrivez-nous et surtout, portez-vous bien. Je sais que ces conseils vous a plu et pratiquez, ça sera quelque chose de bien et la trajectoire aura besoin de vous prochainement. Portez-vous bien. Au revoir.